The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back. Bigger, better, stronger. 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 Bigger, better than ever before. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Death Stranding 3, enfin épisode 3. Hein. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir? Du code de sécurité que je veux sur ma porte? Oui. Il est bourré de chiralium, mais c'est sans danger pour ceux qui ont le Dooms. Parce que j'aurais pu être en train de prendre c'est ma douche. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour reconnecter le monde. Pour tous nous unir à nouveau. Reconnecter, créer des relais, je m'en fous. Je suis un porteur. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour sortir Amélie de là. C'est plus ma guerre. Miroir au beau miroir, accroché sur mon mur. Écoutez, Sam. Les terminaux que l'équipe d'Amélie a construits dans les villages et les villes qu'elle a traversées en allant vers l'ouest sont ce qu'on appelle des relais. L'infrastructure est là, mais le réseau chiral n'est pas activé. Pour le moment, elle n'a la possibilité de transmettre que des communications vocales, avec ou sans fil, ainsi qu'une petite quantité de données. Alors à moins que les données nécessaires ne soient stockées sur place, nos chiralgrammes ne s'affichent pas. Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez pu voir un peu partout sont des grammes, générés à partir de données locales, au cas où vous ne seriez pas au courant. D'accord. Enfin bref, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le relais, connecter votre Cupidon et activer les communications chirales. Une fois que vous l'aurez connecté au terminal, vous pourrez initialiser la transmission instantanée de données massives avec le réseau des UCA. Et en une fraction de seconde, vous nous relierez non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre passé. Ah, vous faites ça pour Pornhub ? Je comprends. Toutes les données perdues et fragmentées seront compilées et restaurées. Ouais, pas besoin de... C'est un peu comme ramener un dinosaure à la vie à partir d'un fossile. J'ai compris, mec, t'inquiète. Nous allons retrouver les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre et tout le savoir et les connaissances que nous avons perdus lors du Death Stranding. Voilà comment nous allons procéder pour venir à bout de ce phénomène, Sam. Non, mais non, jette pas plus, j'ai compris. T'inquiète pas. Une fois que vous aurez établi les communications chirales, générer des grammes ne sera plus un problème. Et vous pourrez aussi utiliser les imprimantes chirales. À partir de là, nous serons très vite en mesure d'envoyer toutes sortes de choses sur le réseau. Rien d'original. Ou qu'il soit doté d'une âme. Rien de vrai. Uniquement des copies. C'est vrai. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin de porteurs comme vous. Il nous faudra toujours des intermédiaires, jusqu'à l'unification, mais aussi une fois qu'elle aura eu lieu. Pas de repos pour les pêcheurs, hein? Allez, bébé. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous aurez les détails sur le terminal de livraison. En haut, n'oubliez pas d'aller voir. La marchandise y est aussi. Ok, Call of Duty. Vu l'état de ces chaussures, vous pensez pas qu'elles ont fait leur temps? Ça vous embêterait si je les jetais? Attendez. Justement. Je voudrais que vous regardiez quelque chose. On dirait que mon sang a provoqué une réaction, et c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez préciser? Quel genre de réaction? Aucune idée. Vous m'avez prélevé du sang, non? À vous de me le dire. Fais ton taf au lieu de jeter mes affaires, enculé. Bien. Je vais examiner ça de près. Top intimité, hein. Ça m'espionne sous la douche, ça prélève mon caca.
Ça jette mes pompes, ça m'attache à mon lit. Ça espionne mes communications. Heureusement que t'es avec moi, bébé. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Ça secoue les bébés, ouais. Ça secoue les bébés. Oui. Je suis désolé, Lisa. Bébé, je suis désolé de te le dire, mais ton papa était un terroriste. Enfin, un terroriste. Il voulait sans doute qu'on arrête de lui voler son caca. Je pense que c'est un combat que nous pouvons tous rejoindre. Bon, 0,8 kg, c'est le bébé. Est-ce que je peux abandonner le bébé? Non. Très bien. Ouais, ouais. Est-ce que j'ai une livraison à faire? On gagne tout là. On gagne du temps, si tu veux. Sam, ici Dannerman. Mais bordel, foutez-moi la paix! L'objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. J'avais compris! Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Vous voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Oui, et si tu l'utilisais pour te pendre? Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Fine. Allez, donne-les-moi tes capotes. Casier privé. Se reposer dans la chambre privée. C'est quoi cette tête de merde du mec à droite? Oh, qu'il est chum. Ok, commande pour Sam. Nootrope. Qu'est-ce que c'est les nootropes? C'est pas très loin. C'est pas très loin, ça va aller vite ça. Niveau d'endommagement, moins de 50%. Les livraisons ont été interrompues après la dernière néantisation dans la ville relais centrale. Jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, je m'en bats les couilles. Allez, allons-y. Sam, les résumés des commandes peuvent contenir des informations essentielles à votre réussite. N'oubliez pas de les contenir. Merci. Donc, allons-y. Oui, les poils, les choses sont rien. Ok, très bien. Taux d'endommagement, 50% ou plus. Enfin, ou moins, pardon. Livrer les nootropes, ocytocine. Complément approvisionnant le cerveau en ocytocine et autres hormones. Efficace pour soulager les symptômes nés du manque d'interaction avec d'autres personnes, comme le stress ou un déficit affectif. Ah ! Mais, Si vous libériez sexuellement les gens et que vous ayez une société qui ne condamne pas la promiscuité, promiscuité, l'ocytocine, ça se réglerait tout seul, en fait. Genre, tu sais, tu fais ça comme à Poudlard. C'est-à-dire, à pouf-souffle, vendredi, c'est masturbation collective. Bon, je sais, c'est dégueulasse, mais c'est un peu la fin du monde, si tu veux. À un moment, tu t'adaptes. Je veux dire, on porte des bébés sur le bide. Bon. Acceptons. Confirmé. Très bien, confirmé. Arrête de réfléchir, Bob, va livrer des trucs. Oui. Accroché à la combi, je peux faire ça. C'est où? Ah, il est par terre, d'accord, je peux pas l'accrocher. Pendre à la main, décharger, ok. Porter sur le dos. Allez. Sam, équipement. Pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipement. Celles-ci vous seront d'une grande aide pour franchir les pentes raides. Et l'échelle pourra faire office de pont de fortune si vous devez traverser une rivière. Ah. Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour apporter cette commande à destination. Non, ça va. Je gère l'idée. Donc un bridge. Ha, ha, ha. Très bien. Une autre échelle? J'ai besoin de deux échelles? J'en veux pas, moi. Pourquoi je suis obligé de prendre 5 équipements? Je dois prendre 5 équipements?
Déchargé ? Mais elle est au sol du coup. Mais je veux pas autant d'échelles, si tu veux, je vais en chier. Étagère, c'est ça ? Merde. Comment je m'en déséquipe ? Placé dans le casier privé. Ah, enfin. Casier privé. Ok. Donc là, pour le coup, j'ai une ancre d'escalade, une échelle, et les drogues à orgasme. Très bien. Bon, fantastique. Organisation automatique de la marchandise. Ça m'a l'air d'être un plan à la con. Quoique... Ça pèse 5 kilos et ça pèse 5 kilos. Non, c'est une idée débile. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais allez. Portez sur le dos. Faire l'enchaînement soi-même. Portez sur le dos. Portez sur le dos. Voilà. Et sangle pour bottes. J'ai pas mes bottes ? Casier privé. Voilà, non portée échelle. Casier privé. Ok, voilà. Ouh, c'est mieux pour le centre d'équilibre. Ouais, non, mais surtout, ouais. De mettre ça sur une épaule et ça sur l'autre épaule. À la rigueur, ça, je peux comprendre. Mais regarde, ça c'est un déséquilibre absolu. Et ça aussi, c'est foireux du cul, si tu veux. Donc, ouais. Non, comme ça, on est bien. Comme ça, je pense qu'on est bien. Ça équilibre le poids pour mieux te déplacer. Oui, oui, mais là, le poids, il est équilibré, si tu veux. Là, je vais bourrer. J'ai tout sur le dos, c'est droit, ça dépasse pas. Bon, allons-y. Partir. Par où ? Par là ? Par là, allons-y. Et j'ai le droit à un véhicule ? Une moto, ce serait trop demandé apparemment. Très bien. Lancement du scan. Faites bon voyage. Touche triangle pour organiser l'équipement, Bob. Et qu'est-ce que j'ai fait, débilus ? Est-ce que tu regardes ça l'écran ? Tout va bien. Vous avez bien vérifié votre équipement ? Ouais, ouais. Uriner. Il va falloir que j'urine d'ailleurs bientôt. Hein. Angle d'escalade 3, échelle 1. Excellent. Oui, j'ai vérifié mon équipement. Mais ouais, Jonathan, ouais. Que le moment de quitter cette base de ces morts afin qu'ils me foutent la peste, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte de stockage. Très bien. Et ça ? Une tour de guet. Voyons voir comment on va s'organiser. Alors. Effectivement. Peut-être tenter de traverser là-bas, c'est là que c'est le moins gros. Ici, ça a l'air d'être un rocher, on va se mettre dessus. À partir de là, on avisera. Et à partir de là, on avisera, les enfants. Ok. Moi, je planifie mes routes, hein. Voilà, très bien. Ça a l'air d'être un bon itinéraire, ça. Ok. Très bien, c'est parti. Allez, ya ! Sam, vous voyez ce panneau que quelqu'un a laissé ? Vous aussi, vous pouvez en laisser comme ça. Message, avertissement, encouragement, tout ce qui vous passe par la tête. Accrochez-vous. L1 est triangle pour apposer les panneaux. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Oui!
Moi, je mets ce qui me passionne. Allons-y. Bon, on est bien équilibré. Aucun risque qu'on perde notre... Sam, vous savez, même les meilleurs porteurs perdent leurs marchandises parfois. Mais vous êtes le meilleur des meilleurs. Vous êtes capable de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Si jamais vous trouvez une meilleure maison abandonnée, surtout n'hésitez pas à les amener à destination. Oh la vache ! Plus facile que ce que vous croyez. En fait, tous nos paquets sont munis d'identifiants Bridges pour en faciliter le suivi. Et votre Dradek est équipé d'un scanner capable de détecter ces identifiants. Ouais, mais le mec, il a paumé les capotes à 30 mètres du truc. Cet appareil peut vous aider à localiser les cargaisons perdues dans la nature. Putain, c'est honteux. N'oubliez pas, Sam. Chaque paquet représente une promesse faite à une personne dans le besoin. Oui, oui, Kojima, oui. Cette personne compte sur vous pour le livrer. Oui, oui, t'inquiète. De la vaisselle. Voilà qui a l'air passionnant. Ok. Allons-y. Un disque de données, ça pèsera pas lourd. Allez, c'est embarqué, Amazon, mon gars. Putain, mais il y a masse, hein. Et hop, c'est embarqué. Impeccable. Oh, chier. Ne casse pas la gueule, tout va bien. Scan. Encore deux paquets sur la route. Hein. Et il y a une boîte. La boîte me permet de livrer les paquets ou il faut que je les amène à la ville? Parce que sinon, c'est le petit open world. Oh là là, le double saut! Incroyable. Merde. Allez, c'est dans la boîte. Si vous avez trop de marchandises, vous aurez du mal. Mais non! J'aurais pas du mal, ça va bien se passer. Je peux toujours pas le bidouiller, ça, non? Hop. Mon endurance va bien, j'ai du monster, ça va bien se passer. Pour livrer les marchandises perdues, mais oui! Une bonne journée. Active le terminal. C'est fumé, et donc ils ont ça, et donc ça livre directement dans la ville, et donc ils les ont installés, et donc c'est alimenté en électricité. Pardon, réfléchis pas, livre des trucs, livre des trucs. Beau travail, Sam. Ouais. Vous avez rapporté des marchandises perdues. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les déposer ici pour qu'elles soient traitées. Si vous en trouvez d'autres pendant une course et que vous ne pensez pas pouvoir les apporter à destination, vous pouvez toujours les entreposer. Elles resteront à l'abri jusqu'à ce qu'un autre porteur vienne terminer le travail. Et même si elles doivent passer par une dizaine d'autres personnes avant d'arriver à bon port, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Aha. Confier livraison de marchandises perdues ou poursuivre leur livraison? Si les marchandises perdues sont apportées à une installation autre que leur destination prévue, les options suivantes peuvent être sélectionnées. Confier une livraison. Déposer la marchandise à une installation et confier sa livraison à un autre joueur. Ne pas confier et assurer la livraison vous-même. Bah, très bien, ça. Du coup, 40 si renvoyé. Alors, 40, c'est si je le livre moi-même. Et là, d'accord, donc en fait, je peux les pré-livrer en avance pour gagner de l'XP. Gagner de l'XP, mais du coup... Destination Capital Relais. Wait. La destination, c'est de là où je viens. Attendez. Attendez, la map. Capital Relais, mais oui! Mais quel enfer! Eh ben, vivons l'enfer! L'enfer, c'est les autres! Les autres! Ouah. J'ai rien. Silence bébé, tout va bien. Tu
m'étonnes, je bois des canettes de Monster, mec. On le sent. Secoue pas le bébé. Bah, il va bien, le bébé, il va bien. C'est-à-dire, Guillermo del Toro arrêtait pas de le secouer, si tu veux, donc. Tu peux les stocker et les reprendre au retour. Tout va bien. Le niveau de stress du bébé augmente lorsqu'il est immergé dans l'eau. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, j'ai trouvé de la merde qui était devant votre porte. Vous auriez pas pu envoyer un connard pendant qu'il pleut pas, si tu veux faire un aller-retour rapide. Non, hein. Accroché, lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Marchandise confirmée. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Allez, tour de guet. Ça permet d'observer un point depuis un... Les trucs depuis un point de vue surélevé. C'est pas si mal. Pour l'instant, c'est pas utile, mais plus tard, j'imagine que ça pourra servir. Mais où est-ce que je la fais, les livraisons à la con? Bienvenue dans la capitale relais. Continuez jusqu'au centre de distribution. Là. Impeccable. Bon, plus jamais je fais du backtracking comme ça. Hein. Oui. Ah non, ça c'est pour les véhicules. Où est-ce que je livre ma merde? J'ai oublié. Ça c'est une tour de guet. Ah, dans le... À l'intérieur, ouais. Pas de système de livraison à l'extérieur. L'extermination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Voilà! Messieurs, dames, vos capotes! Tout renvoyer, je peux tout. Voilà. Voilà! C'est vous le nouveau, Sam Bridges? Merci bien. Je tiens à dire qu'on apprécie vraiment le mal que vous vous donnez. Oui, voilà, merci. C'est moi le nouveau. J'étais pas censé être une légende. Oh, well. Bon travail, Sam. Votre niveau de connexion semble augmenter. Plus votre niveau de connexion augmente, plus vous aurez de ressources à votre disposition au sein de vos installations. Les points du système communiste chinois. Comme quand t'es au McDo. Au McDo, si tu travailles bien, t'as 21 points pour tes repas. Hein? Un McFlurry, ça vaut 3 points. Un Big Mac, c'est 5 points. Impeccable. Les monnaies dans la monnaie. C'est pas fantastique? Allons-y. Ah, ça fait de l'XP. Bon, je peux pas plaindre. Je suis un porteur de confiance. Le rang 10 de divers. Vous aurez plus de likes. Bien, ça. Alors, j'ai pas vraiment envie de te parler. Hein. Putain, il me donne un truc. Wouah! Très bien. À la prochaine. T'es mon frère! Une casquette MAGA, quoi! Comment je m'équipe? Comment je la mets? Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on les met?
Ah d'accord. Bon bah lisez vite, hein, vous avez de la chance. Vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà. Impeccable. Dans tes quartiers, merde, comment je rentre dans mes quartiers? Oui. Nous apprécions beaucoup. Incroyable. Grosse livraison ce matin. J'ai fait 30 mètres. Le bébé a retrouvé sa sénérité. Très bien. Ensuite. Alors. Oh, ils m'ont restocké! Oh, les joies du capitalisme! Divin. Parfait. Petit capitalisme. Oh là là, toute cette liberté! Heureusement que je suis libre d'être forcé d'être connecté aux autres! Grâce à mes menottes de connexion, je me sens plus libre que jamais! Je bois peut-être un peu trop de Monster derrière. Oh, mais il y a mon enduit qui remonte! Donc c'est un élément essentiel de gameplay! Pitié. Pitié. Bon, je vous laisse la dernière. Oh la vache. La max. Merci qu'on puisse... Voilà, très bien. Parfait. Alors par contre, on va faire plaisir à professeur Kaka. On va lui donner un échantillon, gars. Bien beau. Occupé, quelqu'un urine. Merci. Écran d'une valeur folle holographique qui marche au Chiracium de je sais pas quoi. Incroyable. Elles sont où toutes mes combis? Oh, je suis baisé. Stock d'équipement, jeter un coup d'œil au bébé, on va lui foutre la paix. Allez, on se casse. Très bien. Ok. Et là, on a quand même un petit peu plus la classe comme un livreur UPS. C'est parti. Lancement du scan. Faites bon voyage. Allez, gotta go fast. C'est parti. Bien sûr, un véhicule ne serait pas de trop. Mais bien sûr, bon voyage. Ce serait dommage. Parce qu'ils ont la technologie pour manufacturer des véhicules. Ils ont la technologie pour manufacturer des véhicules, notamment des véhicules qui résistent à la vieillesse de la pluie. Mais pas des préaux. Les préaux, c'était de la technologie qui date de 1970. Hein. Les abribus, mec, t'as aucune idée de ce qu'ils font, hein, pour en faire. C'est la violence. Hé, ta gueule, ça va bien. On va être obligé de passer par la flotte de toute façon. Panique. Fais tes dents. Me casse pas les couilles. Des sauts incroyables. Ligne droite. Scan. Par contre, ce coup-ci, je me laisse plus déconcentrer par des. Par des conneries. Hein. Si les mecs, ils ont pas livré leur capote ou leur flamby, c'est pas moi qui vais le faire. Sam,
Une échelle bien placée permet de traverser la plupart des cours d'eau en sécurité. Essayez donc d'utiliser celle qu'on vous a fournie. Un triple saut permet de faire la même chose aussi, hein, si je puis me permettre. Qu'est-ce que... Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. Ah, il y a un problème de pluie. Merde. Du coup, le mec, il a mis un truc de pluie. Attends, il n'y a pas d'abri. Ah, il pleut. Alors je sais pas ce qui... C'est bon, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ça s'est bien passé. Ils m'ont pas vu, ça s'est bien passé. Scan. Capital relais, on s'en fout. Est-ce qu'il est possible de s'abriter de la pluie? Ah, attendez, est-ce qu'il y a un abri de pluie quelque part? Parce que là, malheureusement, je me prends la flotte à l'infini, si tu veux. Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air, ça a pas l'air, ça a pas l'air. Bon, bah, faut juste se manier à la capitale relais. Allons-y. Un parapluie en 2500, c'est trop dur. Hein. Surtout un parapluie... Oui, mais non, mais... Y a pas d'abri parce que la pluie accélère la rouille, Bob. Bien sûr. Mais des choses qui rouillent pas, ça existe, si tu veux. Alors, je veux bien que 3000 ans... Allez, bien. Eh bien, ils ont rien vu. Voilà une sortie d'affaire. Ouh. Vous n'êtes plus sur le territoire des échoués. Excellent. C'est le Death Stranding qui est à l'origine de tout ça. Les guetteurs, l'effondrement de l'Amérique et tout ce qui est arrivé depuis. C'est à cause de lui que le monde a complètement changé. Les hommes n'ont pas eu d'autre choix que de détaler comme des rats quittant un navire en perdition. Mais il n'y a nulle part où aller. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Si on veut survivre à tout ça, il faut trouver une solution, un moyen de lutter contre les échoués, contre le Death Stranding, de reprendre le contrôle de la situation. Monsieur, monsieur, je comprends, mais je suis livreur. Je suis littéralement en train de livrer de l'oxytoxine, de manière à ce que les mecs, ils se sentent exactement comme après avoir frappé avec quelqu'un, si tu veux. Je suis pas la bonne personne pour ça, Alors, ouais, tout ceci m'a l'air risqué, riscasse. What. Est-ce qu'il y aurait moyen d'installer une échelle? Et comment ça fonctionne? Échelle pouvant atteindre 10 mètres! Incroyable! Et
Ouais. Ah, de rester juste les pieds dans l'eau, ça bute mon endu, hein. Bon. Ah bon. Ça ira pas, en fait. C'est ce que je voulais faire. Ok, l'enduit tombe vite. Mais c'est possible. Ça inquiète le bébé, mais tout va bien. Panique pas. Tout va bien. On a réussi à passer le cours d'eau de ses morts. Ce qui était XL, Capital Relais. S, Capital Relais. Non merci. Par contre, ça continue de faire vieillir mes colis et ça, c'est pas bon. Comment je fais pour réajuster la marchandise ? Échelle. Le dos. Merci, voilà, très bien. Confirmer ? Comment je confirme ? Confirmer, laissez appuyer sur X, ok. Très bien, et enfin, grosse question. Par rapport à la pluie, qu'est-ce qui a été endommagé ? À combien il est ? Dégâts sur le conteneur, 61%. D'accord, tout va bien. Pour l'instant, c'est que le conteneur qui est déglingué. C'est pas le... Ok, tout va bien. Te pose pas de questions, Bob. Bois du Monster et livre des trucs. Super. En plus, la pluie vient de se terminer. Ça s'escalade comme un caribou, ça, ou bien? Non. Ouais, ça se fait. Impeccable. Allez, la ligne droite, on y est presque, de toute façon. On peut bourrer. On y est presque, il n'y a plus personne aux alentours. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Marchandise confirmée. Merci. Alors on a technologie pour créer ça. Mais des préaux... C'est trop. Et oui, toute votre prémisse est baiser les enfants. Parce que vous êtes là, Bob, on peut pas. Des matériaux qui résistent à la pluie, c'est pas possible. Des matériaux qui résisteraient à la pluie, ça finit par vieillir et ça finit par s'effriter et être détruit. Et ce bâtiment. Est-ce qu'on pourrait faire des matériaux dans le même matos que ça, si tu veux? Est-ce qu'on pourrait arracher un vieux pan? Là, un vieux pan de plastoc. Et en faire des bouts d'armure. Je prendrais même l'armure en chiotte des synthétiques dans Fallout 4, si tu veux. Je sais pas, tout le reste là. Tout ce truc en métal. Il a pas l'air épais ou spécial, si tu veux. Et pourtant il tient. Ah bon. Le scénario ne peut pas être mobile, Bob. Ah merde. Misère. Allez, prenez votre cam. Ne cassez pas les couilles. Sur le chat, quelqu'un a dit David Cage. David Cage. Il est même pas dans le jeu. Il est même pas dans le jeu et pourtant... David Cage. Merci. La perte de la ville relais centrale nous a tous secoués. Personne n'avait l'air de savoir ce que ça impliquait pour l'organisation, ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le Cytacine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On sera à nouveau d'attaque en un rien de temps. Faites voir.
c'est génial. Merci encore. Tout a l'air en ordre. Mais j'espère que notre station le sera bientôt. Eh ben, bonne buzz, les enfants. Ok. Très bien. Vous êtes de la deuxième équipe, c'est ça? Où sont les autres? Morts. Dans l'anéantisation. C'est pas vrai. Tous dans la même explosion? Et donc, ils vous ont envoyé tout seul? Enfin, si c'était une simple livraison, soit. On voit passer des porteurs de temps en temps, mais... La deuxième équipe devait nous apporter le Cupidon pour nous connecter. Ah, j'ai. Ça fait 3 ans qu'on attend de l'aide. Merde, 3 ans! Mais vous étiez à 700 mètres? Bois du Monster, livre les trucs. Et il nous envoie un seul type? Merde, merde, merde! Dites-moi au moins que vous n'avez pas apporté que le cytocine. J'ai le Cupidon. Vous? Vraiment? Alors c'est vrai? Il marche enfin? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors qu'est-ce que vous attendez? Branchez-nous à ce fichu réseau. Panique pas, bébé, c'est des mathématiques. Toute science suffisamment avancée ressemblera à de la magie. Exactement comme ton existence, bébé, t'inquiète. Wouhou! Ah, j'ai quand même fait de la route, hein. Ah oui! Ah oui, d'accord. Donc, dans Death Stranding, les humains... sont comme dans Macross Robotech. C'est pas les humains, c'est les géants, si tu veux. D'accord. Mais bon, on leur en veut pas. Ils avaient fait ça aussi dans pas Need for Speed, mais The Crew. T'as toute la map des États-Unis d'Amérique, mais tu peux faire l'aller-retour en 5 minutes. Mais on leur veut pas. Honnêtement, ce jeu est fun. Ça me passionne. C'est vrai que tout le drama est bien fait. L'iconographie est bien faite. Faut juste débrancher son cerveau. C'est essentiel. Je suis désormais connecté au réseau Chiral. Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est Chirac? Structure entre joueurs et accéder. Ouais. Connexion à la capitale relais confirmée. Wouh! Ça marche pour de vrai. Comme Amélie l'avait promis. Le porn. On peut enfin faire ce pourquoi on est là. Le porn. Eh, vous allez vers l'ouest, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de vous voir. Vous allez continuer jusqu'à la côte, c'est ça? Mais alors, vous allez pouvoir voir Amélie en personne. Oh, c'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai jamais rencontrée. Juste ses messages holographiques quand j'étais dans la première expédition. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez très prudents sur la route. Il y a pas mal de sales types dehors. Plus que de gens bien, paraît-il. Enfin bon, vous le savez déjà. Merci, Sam. En intégrant cette station au réseau Chiral, vous lui avez donné la possibilité d'échanger directement avec ceux qui se trouvent ici, à la capitale relais. J'avais bien compris. Et ensuite? À l'ouest de cette station se trouvent des structures installées par notre précédente expédition. Et de l'autre côté, votre destination suivante, la ville relais portuaire. Elle est située au bord d'un lac cratère, né de la première néantisation. Votre objectif est de connecter la capitale relais au relais portuaire. Mais pour y arriver, vous allez devoir vous servir de nos installations comme de stations supplémentaires. Elles seront essentielles pour établir une connexion stable. Ok. Étant donné la distance à couvrir, on était en train d'envisager d'utiliser un centre de distribution et une centrale électrique. Quant à savoir par où commencer, le centre de distrib d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on a des marchandises à livrer. Consultez le terminal et récupérez-les. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Ah bon? Comment ça marche? Vite, parle-moi! Accéder comment? Fabriquer des équipements! Votre travail porte ses fruits, Sam. Grâce à l'accroissement de la capacité du réseau, le siège a désormais la possibilité de vous fournir davantage de matériaux, mais également de soutien. Ça peut être utile.
Très bien. Alors, je peux fabriquer du matos. Qu'est-ce que je peux faire? Des bottes? Est-ce que je peux faire un véhicule? Est-ce que je peux faire des matériaux résistants à la pluie? Un parapluie? Des trucs de technologie? Est-ce que je peux faire une porte de douche holographique? Ou est-ce que je vais être réduit à créer des semelles? C'est bien ce que je pensais. Sam, utilisez ce CCP pour construire une boîte de stockage. Ah ha! Dans ce cas-là, je vais créer une boîte de stockage. Peut-être. C'est vraiment pour te faire plaisir, mec. Hein. Ok, oui. Et je peux pas le mettre dans le... Enfin, si. Non, mais si, je veux la boîte de stockage. Ce que je veux dire, c'est je peux pas la mettre dans mon casier privé. Parce que ça pèse 15 kilos, cette merde. Ah. Fine. Écoute. Et si je te demandais de tout optimiser? D'accord. Grosse opti, hein. Alors là, pour l'équilibrage des poids, et ben vous savez quoi? On va le faire. Voilà, on va le faire comme ça. Pour l'optimisation des poids, allons-y. Acceptez les commandes. Allez, vas-y, commande pour Sam, qu'est-ce que tu veux? Très bien. Et une construction de boîte de stockage. Ah, c'est une quête. Sam. Si vous êtes en pleine livraison et que vous devez mettre votre marchandise à l'abri temporairement, ou la confier à un autre porteur, vous pouvez utiliser une boîte de stockage. Outre les marchandises, les boîtes de stockage peuvent aussi servir à partager du matériel et des armes. Enfin, si vous voulez. J'imagine que vous y avez déjà eu recours, mais faites-moi plaisir, construisez-en une. D'accord, bon. Peut-être entre la capitale relais et cette station. Si vous n'avez pas de CCP, je crains que vous ne deviez vous débrouiller par vos propres moyens. Bon, bah, on va lui faire plaisir. On va la faire, sa boîte à la con. Et après, on ira directement à la zone. Et ensuite, on livrera les métaux rares. Ok, très bien. D'ailleurs, en fait, non. Livraison des métaux rares, attendez. Je devrais refuser. Et faire juste l'aller-retour. Oh non, allez, on accepte tout. Allez, on joue en difficile ou on joue pas en difficile. Pour construire une boîte de stockage, il vous faut un CCP. Ça va sans doute. J'ai un CCP, me casse pas les couilles. Matériaux rares, dans le dos. Très bien. Masse de matériaux rares. Non, je suis prêt. Partir, oui. Ouh. Excellent. Commande attribuée. Sam, si votre CCP est en état de marche, allez au lieu que je vous ai indiqué et construisez la boîte de stockage. Vous n'aurez aucun mal à le trouver si vous consultez votre carte et votre boussole de temps en temps. Ouais, ouais, j'y travaille. Oh putain! Ok. Hyper super, c'est Sonic! Hyper super, c'est Sonic! Contre le communisme, le capitalisme. Bois du monster, il livre toute ta merde. Aïe. I-O-I-Y. C'est bon. C'est un raccourci. Oh, des résines. Pardon, bébé. Il pleut ici, d'accord. Tac. Ça fait fondre mes boîtes. Vite. Mes boîtes fondent. Ok. Sam, je vois que vous êtes arrivé à l'emplacement indiqué. Oui, il pleut, vite. Putain. Ah. Équipé. Une fois que vous serez prêt, activez votre CCP.
Utilisez-le pour construire une boîte de stockage dans la zone délimitée. Et un abribus, non. Pose pas de questions. Bois du monster. Cette boîte de stockage a fière allure. Il suffit d'accéder, sélectionner casier partagé pour partager des marchandises et de l'équipement avec d'autres porteurs. Déposez une échelle et une encre d'escalade. Je suis sûr qu'elles seront très utiles à quelqu'un avec ces jours. Mais non ! Vous avez assez de matériel, vous pouvez en laisser un peu ici. Je dois, c'est la ils quête ? Sympas avec les autres, ils seront sympas avec vous. Mais qu'ils aillent se faire foutre ! Panique pas, bébé. C'est bon, et Nini, c'est fini, on est en dehors de la pluie, ça va bien. Moi, ça, c'est ce que j'espérais, mais apparemment, c'est pas le cas. Quand même. Putain. Mais bon. Oh, il y a Denis, il a laissé un pont. Waouh. Je me sens tellement connecté. Ça, c'est pour toi. C'est une bonne journée. Démonter l'échelle. Quelqu'un m'entend ? Ah ! Et il y a Denis qui m'entend. Incroyable. D'accord. En fait, c'est pas lui qui m'entend, c'est les objets qu'il a laissés là, en fait. Les objets qu'il a laissés derrière lui m'entendent. C'est ça le truc. Donc en fait, si tu cherches une indication proche, genre quelqu'un qui aurait posé un message à la Dark Souls ou une échelle ou une truc comme ça, tu peux appeler et le mec t'appelle à travers les dimensions pour te dire ouais, ça c'est sympa. Ça, vous voyez, artistiquement le jeu il est fou, hein. Il est fou. C'est juste qu'il souffre un peu du David Cageisme, mais globalement c'est quand même impeccable. C'est quand même impeccable. Oh, des vieux magazines. Station ouest de la capitale relais. C'est vraiment parce que c'est à 20 mètres, hein, et qu'on est dans un simulateur de chiantisme. Allons-y. Oh shit! Allez, ça s'est bien passé! Et voilà! Facile! Hop là! Caribou! Ah shit! Allez, pleine vitesse. Muscle ton jeu, j'avoue. Tap. Oh shit. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées.
Merci. Petite livraison, livrer la marchandise perdue, tout livré. Allez. Voilà votre colis, madame. Livraison. Je suis tellement content de vous voir. Je dois dire que vous êtes vraiment incroyable, quand même. Toi, t'as pris ton oxytocine, toi. Bon, très bien. Merci pour tout. A plus. Impeccable. Au travail. Bon. Ah oui, attendez, et j'ai des ressources. À quoi elles servent, ces ressources? Non, ça c'est... on s'en fout. Résine. Même pas il te donne une casquette, j'avoue. C'est Boatman. J'avoue, c'est Boatman. Sam, les casiers partagés permettent des... Oui. Merci. Tiens, je fais un don des résines. J'offre les résines. Les résines, les résines. Le Lennon offre, le Lennon donne, le Lennon est bon. Et il fut dit en ce jour que le Seigneur partagea ses résines. Très bien. Quel enfer. Allons-y. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Fin de l'interdiction des armes. Quoi, cette bite? Prendre. Sam, si jamais vous tombez sur des cartes mémoire en cours de route, pensez à les déposer à l'aide du terminal le plus proche. Qui sait quelle... Données précieuses, elle pourrait conserver. Bah je sais pas, après être passé sous la pluie pendant 5 minutes, surtout à l'idée qu'une carte mémoire ou une clé USB ou quoi que ce soit, déjà rien que tu le laisses 10 ans dans son tiroir, elle est morte. Mais alors en plus, si tu la laisses sous la pluie qu'il l'a vieillie pour de faux, si tu veux... Je suis désolé, ton porno, il est pas récupérable. Planifions. Planifions nos itinéraires. Jouons intelligemment. Et là, avisons de ce qu'on peut faire. Notamment pour traverser là, je pense. Données rares et précieuses, elles pourraient conclure. Allons-y. Votre contribution fera au moins un heureux, je vous le garantis. Ah bah, avec les magazines que j'ai livrés, je suis sûr qu'il y a un heureux, là. C'est celui qui a pas eu sa dose d'oxytoxine, hein. Il va pouvoir se servir, là. Ouh ! Allons-y. Sans longueur ! Ouh, le luxe ! Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça, eh? Écoute. Death Stranding est un jeu qui favorise les connexions. Attention, Sam. Des mules vous ont localisé. Fichez le candelar. Vite, avant qu'il ne vous tombe dessus. Rejoignez vite votre destination si vous ne voulez pas qu'il vous trouve. Très bien. Je panique pas. Oh! Aucune idée comment on fait pour se... Oh shit!
je vois bien. On a un bon footing là. On a un bon footing, donc on leur fout la max. Hein. Rappelle-toi, faut tuer avec une caisse, je sais pas lancer les objets. Ces mules sont de vraies plaies. On a eu de la chance qu'ils peuvent. Elles aussi savent qu'il ne faut pas se frotter aux échoués. Ouais, sauf que la pluie est en train de faire fondre mon contenu là. Là. À quoi me servirait cette boîte cependant? Quelqu'un a mis un indicateur attention aux fantômes. Très bien. En même temps, je m'en doutais hein, qu'il y en aurait de ces saletés. Des métaux, des résines. Capital relais, genre lol. Station à l'ouest de la capitale relais. Ouais, bah écoute. Moi, à part les livraisons d'histoire, je vais pas faire grand chose parce que c'est plutôt en ligne droite. J'ai déjà fait l'erreur d'en faire trop là. Et de paumer un temps fou sur ces conneries. Alors, par contre, ça dit fantôme, mais j'en ai pas vu. Hein. Par contre, mon enduit ne remonte pas. Ça, c'est inquiétant. J'ai l'air de boire un petit coup de monster. Impeccable. Capitale relais, station reste de la capitale relais, résine. Il m'a vu. La caméra. Que se passe-t-il? Vaisselle. Ah. On le mettra à une station relais. Je les vois pas tes échoués, hein, je vais être sincère. Ça prend des risques. Ça prend du cargo. Il est où ton fantôme? Je le vois pas, putain. Marchandise perdue, eau douce. Oh oui. Max.
La max, hein. C'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Avouons-le. C'est peut-être trop. Peut-être il est important de le laisser au sol. Ok, très bien. C'est ça. C'est rien, tout va bien. Secouez le bébé. Secoue le bébé. Tout va bien, tout va bien. Secoue le bébé. Allez, repose-toi là. Eh bon. Bon, où en est ma marchandise après ce fiasco total? C'est une mission d'histoire. Good enough. Sans déconner, good enough. Par contre, je suis du coup repoussé par rapport à la distance que j'ai parcourue, d'accord, ouais, j'ai fait des distances un peu inverses, je suis d'accord. C'est ça le centre? Ouais, il est là le centre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Récupère tes caisses, Bob. Je peux y retourner, c'est safe. Attends, mais d'abord buvons un coup de monster. Jamais sans mon monster. Et ben en tout cas, je suis content qu'on ait vu ce qui se soit passé après la guerre civile totale que c'était. Très bien. Quitte à avoir paumé des ressources. Voilà. Oh shit. Oula, oula. Ça va basculer. Oh là là, faudrait pas que ça bascule. Alors ici, ça m'a l'air complexe. Grosse répartition du poids, by the way. Voilà. Encore des marchandises sur la route. Encore !
merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelque chose ne va pas, Sam? Je sais pas. Bébé a pas l'air au top. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ses fonctions sont suspendues. Mais elles peuvent être rétablies. Je peux effectuer l'entretien nécessaire au centre de distribution. Mais dépêchez-vous. Ah ouais, donc on y va en analogie. Tout ça est ma faute. On y va en analogique. Tout ça est ma faute. Mais non, mais calme-toi. Calme-toi. Organisation automatique de la Merco. Voilà, très bien. Impeccable. Impeccable. Irréprochable comme ça. On a une armure en caisse nulle. C'est fantastique. Il y a une moto là-bas, eh. Des métaux. Il arrive que le stress de votre bébé dépasse le niveau acceptable. Quand ça se produit, il déclenche la production d'agents nocifs. Et dans ce cas, pour faire simple, le corps s'attaque lui-même. On parle alors d'autotoxémie. Si votre bébé ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur l'aide. Ouais, ouais, la chambre privée, ouais. La max. Oh, shit, bite. Vite, un coup de monster. Ah frère! Allez. Ouais, c'est bon, on y est! Impeccable, on est stable là! Oh merde! Au moment où je dis ça! Alors j'ai remarqué que si je donne un petit coup à gauche et à droite, alternativement. Jamais le jeu y fait apparaître l'indicateur. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. J'ai déjà trouvé une méthode de speedrun. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Décontamination. Le saut en longueur. Repos conseillé. Vivement qu'on me donne des armes. Gauche. Eh ben putain. Quel merdier. Ouais, à propos de la cargaison. Voilà. Rang S. Rang S garanti ou Riot. Les gens de la station m'ont beaucoup parlé de vous. Sam Bridges, de la deuxième expédition, c'est ça? Le type qui étend le réseau Kira la nuit tout seul, quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon? Faites voir. Des revues porno, principalement. Merci. Je ne sais même pas comment vous avez pu passer tout ça sous le nez des échoués. Une seconde. Sam. Sam Porter. Le livreur légendaire. Ça alors. Wouh! Ouais, passage automatique activé, hein. Encore. Rampez! Rampez, mon gars! La qualité de la livraison! Livraison de points jardin. Bon, il est temps. Ça vous ennuierait de nous connecter au réseau? Fantastique. Un jeu par David Cage.
Oh là là, j'ai traversé un tiers des États-Unis d'Amérique! Sam, comme toujours, merci d'avoir intégré de nouveaux membres au UCA. Mais de rien. Mule et syndrome du drone, brise brouillard, précipitation, email, données, recyclé. Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Au secours! Pour voir les structures des autres joueurs et d'y accéder. Ah! On dirait bien qu'on est sur le réseau chiral. Et avec les matériaux que vous avez apportés pour notre imprimante chiral, on peut produire l'équipement dont vous avez besoin. Rambé, hein. Dites-vous que c'est notre façon de vous remercier. Ouais, moi aussi. Allez, partez vers l'ouest. Et continuez comme ça. Bien, le centre de distrib est relié au réseau. Sam, si vous voulez bien, emmenez votre bébé dans une chambre privée et connectez-le à l'incubateur. Au travail. Bon, j'ai pas fini, hein. J'ai tas de choses à livrer, hein. Genre, démerdez-vous. Genre, attendez, tout confirmer, si tu veux. Voilà. Démerdez-vous. Super. Faire une livraison. Non, partager les données de carte mémoire. Allons-y. Voilà une belle pièce à ajouter à ma collection. C'était essentiel comme essentiel. Merci pour votre contribution. Pas fini. Recycler. Recycler des marchandises afin d'obtenir de nouveaux matériaux. Choisir plusieurs. Ok. 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 Je peux recycler l'échelle? Parce que je m'en bats un peu les burnes. Hein. Bon, on va recycler ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais pas ce que ça a fait, mais on confirme. Madame la Présidente. Wouh. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Disponible. Quantité max cumulable. D'accord, ouais, ok. Casier partagé. On dirait que des marches. Oui, oui. Vous pouvez accéder. Super. Ah, y a des joueurs qui m'ont envoyé des trucs. Fais voir. Marchandises perdues par Bessant. Ouais, mais c'est nul, on s'en bat les couilles. Très bien, ça. Fabriquer un équipement, est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux fabriquer? D'accord, j'ai rien. Se reposer dans la chambre privée, allons-y. Voilà, très bien. Parce que mon bébé brille en rouge et c'est un peu la panique, si tu veux. Il a fallu 3 épisodes quand même pour qu'on voie ce qui se passe quand on se fait choper par les échoués. Hein. Mais c'est impressionnant. Hein. Je comprends pas bien, mais... Batman, vous êtes là? On se dépêche. Je suis là, Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. C'est fait. Très bien. C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère. Sa mère? Elle est au service de soins intensifs à la capitale relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudo-mère, vous voulez dire? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé.
Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudo-mère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudo-mère via le réseau Kiran. Vous voyez ? La mise à jour des données est en cours. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudo-mère dans la capitale relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. D'accord. Replacer votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. Il a des émotions. Je vais essayer d'ajuster le dosage d'ocytocine. L'autotoxémie devrait s'installer plus lentement à partir de maintenant. Bon. Et surtout, perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. Oui, bien sûr. Je vous rappelle qu'on les a tous physiquement retirés du ventre de leur pseudo-mère. Un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Il va peut-être falloir le mettre au rebut avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après ? Il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie ? Comment vous expliquer ça ? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. Mais non ! Vous les avez fait ! À mesure que nous étendrons le réseau Kiral et que nous récupérerons des données, peut-être que nous aurons des réponses. Attends. Ça veut dire que les bébés étaient une technologie qui existait avant et que les données ont été perdues? Ou que... Enfin... vous avez... Enfin... bon. Le fait que les bébés se tiennent en dehors de leur mère et qu'ils soient en état d'avortement constant, si tu veux. Ça... Je trouve ça assez poétique pour dire que le bébé, il est entre la vie et la mort. Parce que là, littéralement, il pose des questions d'avortement, si tu veux. Donc ça leur permet de détecter à la fois les fantômes et les humains. Donc jusque-là, je suis là, c'est pas mal. C'est pas mal, bien joué Kojima, c'est intelligent, c'est joli, c'est sympa, c'est bien foutu. Mais vous avez paumé la technologie pour les faire ? Mais comment vous... En fait... Vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. J'en ai parlé à Hartman. Je bois du Monster. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Guillermo del Toro. Tout ceci est fantastique. Alors moi je sais pas vous, mais avoir un poignet attaché pendant que je dors, ça me rendrait fou. Hein. Maman, pas ce soir. London Bridge is falling down. My Lady. Je suis plutôt sûr que c'est pas les paroles. Sam. Est-ce que tu me vois ? Comment ça se passe là-bas ? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. Tiens ! Exactement comme la civilisation que t'essaies d'imposer à tout le... Je bois du Monster. Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. Je te remercie. Je suis sincère. Les choses vont mal.
Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. Mais les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter, alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. J'attendrai que tu viennes, Sam. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. Ouais. Quand tu m'empêches de pioncer, ou que tu me mates sous la douche, ça a pas l'air de te déranger trop, hein, ton emprisonnement. Avec des gros guillemets. Sam, ici Hartman. Mais c'est pas vrai! Puisque vous êtes réveillé, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche? Un bienfait pour le corps et l'âme. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. C'est un jeu dont toute la philosophie est censée te faire prendre conscience de la valeur du contact humain et te faire favoriser la recherche du groupe, si tu veux. D'extrapoler les relations entre nous et de créer des ponts, des liens, des connexions et que chaque être humain se tienne la main comme dans les pubs Benetton et tourne autour de la planète dans une jolie roue multicolore, si tu veux. Ce qui serait fantastique. Mais chaque seconde d'interaction avec ces gens me donne juste envie de trouver la seule caverne du jeu, d'y mettre un petit feu de camp, de chasser du daim. Je sais pas pourquoi. C'est un paradoxe, hein. C'est un paradoxe. C'est fou comme un jeu qui est tellement porté sur le message de connecter les gens et de les empêcher de s'éloigner les uns les autres te harcèle constamment et te donne juste envie qu'on te foute la paix. Ah, faut que j'arrête de poser plein de questions. Arrête de poser des questions. Bois du monster. Au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Une crise cardiaque. Allez, au pire. Au pire, hein. Au pire. Putain. Au fait, professeur Caca, George Orwell a appelé. Il voudrait se masturber dans votre douche. Voilà. Au moins j'ai ma casquette Amazon. Ma casquette Chronopost. Dieu merci. Allez. Petit système technologique futuriste holographique. Pour le bénéfice des gens qui me regardent de l'extérieur. Sam, ici Hartman. Mais Edman m'a transmis votre requête, puisque c'est moi qui m'occupe des recherches sur les échoués. Je
Je vais prélever un échantillon d'eau de votre douche. Afin d'étudier les effets que vos fluides corporels pourraient avoir sur un échoué. Vous avez d'autres cobayes qui ont le Dooms? Tout le monde chez Bridges. Mama et moi. Les résultats jusqu'ici ont été... peu concluants. Ah, parce que tu peux m'entendre en plus. Mais vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié. Je dois bien avouer que je suis plutôt... optimiste. Traitement des fluides. Des déchets. Du chiralium. Distribution. Ah! Et voilà. Prenez cet échantillon avec vous. Si jamais l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serais curieux de voir sa réaction. Tu veux que je lui jette une fiole de pisse? Qui sait? Ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Ah, c'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien, et après? J'ai dit « et après !» Je suis juste livreur. Je voulais juste... Sam, désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Non, t'inquiète. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Vas-y, détends-moi. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Ah ! Il y a autre chose dont je voulais vous parler. Et pour m'en servir, faut que je m'attache au lit encore, ou ça va ? Le donne la possibilité de reconquérir notre passé. Les données que l'on pensait perdues à jamais, des quatre coins de l'Amérique, peuvent être reconstituées à partir de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Mais à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous récupérerons de plus en plus d'informations. Comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées, ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. J'en doute pas une seule seconde, merci. Putain, arrête de pointer des trucs de la caméra. T'es pire que Quiet dans Metal Gear Solid 5. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait sur le jeu. Excusez-moi. Moi le jeu, il m'amuse. Je pense pas que je vais continuer le LP, mais je vais le continuer sur Twitch, c'est 100% sûr. Donc n'hésitez pas d'aller sur la chaîne Les Lives de Bob Lennon afin de voir les suites Death Stranding et de voir la galère de l'angoisse existentielle que je vais subir depuis un jeu dont le scénario... m'a rendu fou depuis Detroit. Voilà. J'allais dire depuis Dying Light, mais c'est faux. Il n'y a aucun autre scénario qui m'a rendu plus fou que Dying Light. Dying Light, j'avais envie de tuer l'éditeur à la fin. Voilà. J'en pouvais plus. Mais bon, là voilà. Donc là, okay. Et au moins c'est fun. Je m'amuse. Tu vois, puis c'est mystérieux. Et puis les visuels sont jolis. C'est intéressant. C'est cool. Honnêtement, c'est cool. C'est juste pour un jeu qui met autant en extrapolation l'importance d'avoir des liens et des connexions avec les gens, j'aurais isolé les joueurs beaucoup plus. Je sais pas si vous voyez mon point de vue. J'aurais isolé encore plus les joueurs, ce qui fait que à la moindre connexion que t'as avec un PNJ ou avec quelqu'un d'autre, c'est un événement, c'est une joie. La moindre icône de connexion possible avec d'autres personnes ou d'autres membres, ou même ou même l'histoire, ou même une cinématique, ou quoi que ce soit, que t'y ailles avec la queue qui s'agite. Comme un Shiba. Ou un Shibé, je sais pas comment ça se dit. Tu sais, les chiens japonais adorables, et qui sont là, et ils sont trop hypés par tout ce qui existe, en fait. Voilà. Et tu sais que du coup, tu serais trop hypé. Et que chaque relais, en fait, j'aurais mis les relais beaucoup plus loin, et chaque relais, à chaque fois qu'il y a un hologramme qui te dit merci, que ça te fasse quelque chose. Parce que t'as littéralement passé 5 heures de jeu sans voir rien qui existe, si tu veux.
Je sais pas. Après, ça aurait pas été viable, surtout dans le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui, où les gamins ils jouent à Fortnite et il faut quand même leur vendre le jeu, et qu'il est impossible qu'il se passe plus de 30 secondes sans qu'on doive leur agiter des clés devant le visage en faisant « Ouh, regarde les clés! Regarde les... Ça fait du bruit! Ça fait du bruit! C'est incroyable! Ça fait du bruit !» Voilà. T'es obligé de faire ça, sinon tu perds ton public américain. Et le problème du public américain, c'est qu'il fait 90% des ventes à lui tout seul, 90% des ventes à lui tout seul, et qu'il a du mal à frotter deux chiffres de QI pour faire un nombre. Donc un nombre à deux digits, si tu veux. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je comprends. Mais du coup ça fait perdre un peu la fameuse narration que voulait me donner Kojima. Parce que là, j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre mon cartable, de partir dans la savane et de faire une ligne. On a reçu un appel de détresse du personnel du centre de distrib. Consultez le terminal de livraison dès que vous serez prêt. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il veut partir. Ah. Putain! Bois un Red Bull! Bois Red Bull! Des emails! Merci d'avoir livré ces métaux rares, tout le monde au centre du stream apprécie votre aide. Mauvaise nouvelle, la moto que vous avez vue à l'extérieur, la batterie est morte, il faut du courant pour démarrer, mais une seule fois suffira. Ensuite, le chargeur automatique devrait prendre le relais. Comptez pas trop dessus, c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Différentes installations doivent collaborer en se partageant les matériaux pour que tout le monde obtienne ce qu'ils ont besoin. Blablabla, pensez que gens comme vous sont importants, sans porteur, c'est le système entier qui s'écroule. Et même le monde entier. Alors qu'ils ont la technologie pour... Bon, bref. Bref, j'allais vous parler de ce type, Georges Bâton, à la station. Un porteur fiable, mais ces derniers temps, c'est la croix et la bannière pour le convaincre de faire la moindre livraison. Il passe son temps à râler qu'il a peur, qu'il a pas assez d'ocite. Toujours une bonne excuse. Et quand il finit par accepter de travailler, il finit par perdre la moitié de son chargement en route. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu à court de matériaux en ce moment. Et je suis sûr que vous allez nous aider à arranger ça. On compte sur vous, Sam. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je t'apporte des matériaux? Mais fais une commande, connard! Encore mieux que l'ocite. Super, tout va bien. En réactivant le réseau chiral, vous avez apporté le lueur d'espoir que tout le monde, le monde extérieur est encore effrayant, mais avec toute l'ocite disponible, les mules sont un problème pour nous. Et on pourrait pas me donner des armes. Bon. Et voyez, ça c'est des emails d'encouragement. Et c'est génial. Ça te permet d'avoir la progression du monde quoi que ce soit. Mais même en pas deux, rarifie-les si tu veux. Enfin. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette carte mémoire? Frame Arms Biako. Les Frame Arms sont une série de figurines de robots en plastique créées par Kotobukiya. Le tigre blanc, Biako. Oui. Ah d'accord. Donc en fait, les cartes mémoire, c'est l'autisme de Kojima qui veut nous montrer les photos de ses statuettes de chevalier d'or de Chevalier Zodiac. Ok. Très bien. Tout le budget est allé là-dedans. Aucun problème. Entretien. Je vous laisse quand même lire les infos. Mule et syndrome du drone, ok. Je lirai ça seul après. Brise brouillard. Précipitation. Momie et pyramide. Voilà, Corot de l'Abysse, vous l'avez déjà lu, et Cryptobiote, voilà, incroyable. Fantastique. Bon. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là en tout cas. C'était la découverte du Lennon de Death Stranding. Alors oui, clairement le jeu, je vais le faire. Parce que c'est comme, je gueule, mais c'est parce que je suis un vieux rochon, je suis comme Benzaï. Mais j'adore, je m'éclate, c'est fantastique. Et j'adore râler sur des trucs. Moi je suis un connard qui aime bien râler sur des trucs, donc... Là, il y a mille choses et une de me faire râler, et c'est fantastique. Mais du coup, le niveau de détail est fou, le niveau d'autisme est réel, l'imagerie est superbe, il faut le dire, bordel de merde. Et honnêtement, voilà, c'est juste une question de scale, en fait, c'est pour ça. Enfin bon, on va marquer notre dominance auprès du docteur Kaka. Sur ce... Fais-moi des cocktails Molotov à l'urine que je les balance à la tête des fantômes, ça va bien se passer. On va me trouver du travail, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Oh putain.
L'épuisement. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Oh oui. Ben oui. Ben oui. Oh ben oui. Comment ça va? Comment ça va? Bah je le fais chier, hein. Secoue le bébé. Death Stranding, secoue le bébé. Allez, zou. Oh misère. Envie de dormir. Allez, dors pas. Fais des trucs marrants. Amuse-nous.